Et salut tout le monde, c'est Ximoz. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto build. Et aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à construire un distributeur de coca. Donc voilà, alors les amis, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes tutos, pensez à lâcher un max de likes. À chaque fois que je vois que vous mettez beaucoup de likes sur une vidéo en particulier, bah ça me donne envie d'en faire encore plus. Donc voilà, si vous me soutenez, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas, ça fait vraiment plaisir. En tout cas voilà, aujourd'hui on n'aura pas besoin de grand chose. On aura besoin de commande bloc, comme d'habitude. C'est vraiment optionnel, hein, c'est optionnel. On aura besoin de terre cuite rouge ou d'un bloc rouge, de terre cuite noire et de blocs de quartz, ainsi qu'un bouton et après donc une fiole d'eau et une bannière. Donc voilà. Alors ouais, du coup rouge, blanc et enfin rouge, noir et blanc. Voilà, c'est pas forcément là, c'est de la terre cuite et du quartz, mais vous pouvez très bien prendre de la laine. Donc on va commencer par construire construire la machine. Vous allez voir, elle est juste géniale. Il va falloir faire, c'est très simple, hein. Donc on va se mettre à peu près au milieu. On va mettre deux blocs de comment on appelle ça, de terre cuite noire en bas. Puis après on pose deux blocs de terre cuite rouge sur ce côté là, puis deux blocs de quartz ici, et on pose ce bouton ici. Donc comme ça on pourra avoir des boissons, etc. Donc ça marche aussi pour ceux qui sont sur Minecraft PE ou console, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui sont sur Minecraft PE ou console. Vous allez voir, ça va être plutôt simple. Donc une fois qu'on est là, vous allez voir, c'est pas très ressemblant. Nous on veut le logo Coca-Cola et tout. Et c'est moi qui ai inventé à 100% cette machine, je tiens aussi à le préciser, parce que sinon à faire plagiat et tout. L'idée ne vient pas de moi, hein. Je l'ai encore trouvé je ne sais où là, mais du coup c'est moi qui ai fait le design de la machine. Donc du coup, comment on va faire pour avoir ce logo de Coca-Cola? Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre à la main, pour ceux qui veulent le faire à la main, vous prenez une bannière, et vous allez voir, vous allez suivre ce que je vais dire. Pour l'instant moi j'ai la flemme de le crafter. Je vais vous mettre la commande dans la description pour ceux qui veulent l'avoir en bloc de commande. Comme ça moi je me fais pas chier, hop je l'ai direct. Voilà, c'est une bannière que j'ai inventée. C'est pour moi celle qui ressemble le plus au logo de Coca-Cola. Vous savez, si on tourne un peu la tête, on voit marqué Coca et ici Cola. Bon là ça se voit pas trop, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. On est sur Minecraft avec des pixels, donc je peux pas faire mieux. Donc en fait, si vous voulez, alors j'ai pris là ça se voit pas avec le shader parce qu'il bug. Regardez, je vais prendre vidéo setting, je vais prendre un autre shader par exemple, je sais pas, c'est celui-là, le Rudo Blaze. Voilà, normalement il est de la couleur du bloc et tout, et là on dirait vraiment une machine de Coca-Cola, c'est vraiment marqué Coca-Cola quoi. Donc en fait, comment j'ai fait pour avoir cette bannière? C'est très simple, j'ai pris une bannière blanche, j'ai mise toute rouge, puis après ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bande blanche ici. Puis après j'ai mis une bande rouge ici, c'est pour ça que là on voit un séparé. Donc j'ai mis une bande rouge ici. Puis après j'ai transformé ces deux bandes blanches en briques. Donc du coup les rainures de la brique sont devenues blanches. Puis après j'ai fait un contour en rouge pour que les bords ils soient en rouge ici et en rouge ici, pour pas que le logo déborde. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait, et finalement ça rend plutôt bien. Mais on est loin d'avoir terminé, parce qu'il nous manque encore les boissons bien sûr. Alors je vais remettre mon shader de base. Il est joli, mais bon, ça rendra la construction un peu moche. Voilà, j'aime pas trop ce rouge bizarre, parce que le logo de Coca-Cola c'est quand même rouge vif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour les gens qui sont sur Minecraft, PE, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un dropper ici avec des fioles dedans. Moi ce que je vais faire, ça va être plus complexe entre guillemets. Je vais juste rentrer une commande pour ce give. Attendez, hop, je vais juste mettre une commande pour ce give des bouteilles quoi. Donc hop, c'est cette commande là, je la mettrai aussi en description, vous inquiétez pas. Et après je referme, hop, comme ça, oh non, pas comme ça, voilà, comme ça. Et normalement notre machine fonctionne et on a tout mis, hein, voilà, on a tout utilisé. Donc c'est plutôt un truc basique, mais franchement ça fait vraiment le taf. On voit vraiment que c'est une machine à boire, enfin pour boire et tout. Et en plus le logo de Coca-Cola, enfin, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu et c'est pas trop ressemblant, mais c'est pas ça ressemble pas à rien non plus. Regardez, hop. Donc d'après la commande que j'ai mise, on peut se give des potions de strength, donc des potions de force. Au début j'avais envie de mettre des potions de sucre, enfin des potions de speed, parce qu'il y avait du sucre dedans, et comme le coca c'est sucré, voilà, ça fait un petit lien comme ça. J'aurais pu, mais bon, après vous choisissez la bouteille que vous voulez en mettant un chiffre différent ici, tout simplement. Ou sinon vous mettez un dropper pour ceux qui veulent. Bon voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à mettre un gentil commentaire, un commentaire pour comme ça je sais ce que vous avez pensé
assez de cette machine, de cette construction. Je lis tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Pensez à liker, c'est super important comme je l'ai dit au début de la vidéo. Pensez à partager, c'est le plus important. Ça va faire découvrir ma chaîne à de nouvelles personnes. Et ça, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis, c'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao ciao.